peux pas parler de toi en te tu peux pas parler de toi en te à la troisième en te prononçant. Voilà dans le problème avec le Coran. Le Coran. Le problème avec ceux qui comprennent mal le Coran. D'accord. Regarde. Je vais te parce que ça c'est un autre sujet vraiment. Pour ne pas sortir du sujet, je vais te le concéder que c'est pas Allah qui parle. Mais il y a un problème. Et aussi parmi ceux que nous avons transportés à Compagnie, c'est qui ici? Qui a transporté les gens à Compagnie? Ainsi, on dit, voilà ceux qui Dieu a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Abraham, et aussi parmi ceux qui ceux que nous avons transportés en compagnie de nous. Nous là c'est qui? Nous avons transporté ça. C'est qui les a transportés en compagnie? Nous c'est la personne qui parle. C'est qui? C'est pas Allah. On savait dire que la personne a été capable, la personne a vécu avant Abraham et avant. Parce que cette période dit que ceux que nous avons vécu, c'est ça? Possible. D'accord. Tu as de vouloir faire dire beaucoup de choses au Coran, mais il n'y a pas de problème, je te le concède. Je ne veux pas dire beaucoup de choses du Coran. Je ne suis pas aussi mieux placé pour dire que c'est qui. Mais le texte le dit. D'accord, regarde, il n'y a pas de problème. Faisons, je te le concède jusque là, pour ne pas sortir du sujet. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient, consternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Et ils se trouveront en perdition. Verset 60. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a permis à ses serviteurs qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante. Seulement, salam. Et ils auront là leur nourriture ce matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Qui parle ici? Non, on n'avance pas. Qui parle? C'est la même personne qui parlait en haut. Non, ça veut dire que c'est Allah? Non. Si c'est pas Allah, ça veut dire que cette personne est capable de donner le paradis aux gens? Et regarde, écoute un peu. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui seront pieux. Donc cette personne-là, parce que c'est même le pluriel, nous. En tout cas, ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils ont des serviteurs et ils ont la capacité de donner au paradis. C'est pas Allah, c'est qui? Ces personnes sont citées là. Donc, ok, d'accord. Écoute un peu. Ça veut dire que Adam, Abraham et Noé, ces personnes ont la capacité de donner le paradis. Hein? Ces personnes ont des serviteurs qui sont soumis de. Qu'est-ce que tu es en train de dire ça? Est-ce que tu es en train de dire qu'un homme est capable de donner le paradis à un homme? Ça veut dire que la vie éternelle, un homme est capable de donner la vie éternelle. Ça dépend. C'est le premier musulman que j'entends qui dit qu'un homme est capable. Ça dépend. D'accord, ça dépend comment. Pour toi, l'homme c'est qui? L'homme c'est celui qui est pécheur. Tout homme est un pécheur. Et aucun pécheur, tout homme est fini, n'est pas infini. La seule personne qui est infinie, c'est Dieu. Et la seule personne qui est capable de donner à l'homme qui est fini l'infinité, c'est Dieu. D'accord? Le paradis est éternel et infini. Les prophètes sont des hommes ou bien ce sont. Les prophètes sont des hommes finis. Des hommes pécheurs. On est d'accord? Et comment un pécheur peut donner le paradis à un autre pécheur? Voilà, là maintenant on est en train de revenir à ce que tu as dit que c'est Jésus qui donne le paradis. Voilà. Donc, avant Jésus qu'on arrive sur Jésus, il faut qu'on soit d'accord que la seule personne qui peut donner la vie éternelle au paradis, c'est Dieu. Jésus est-il un homme? Avant qu'on arrive sur cette question, je veux qu'on arrive sur une bonne base. Non, allons-y d'abord. Est-ce que tu es d'accord que la seule personne qui est capable de donner le paradis, c'est Dieu? Exactement. D'accord? Ça veut dire qu'un homme ne peut pas donner le paradis. C'est ça, non? Un homme ne peut pas donner le paradis. Allons-y. Non. On ne peut pas avancer. Si nous sommes tous d'accord. Si on est d'accord. Moi, je suis d'accord. Toi, tu es d'accord avec ça? Oui, chut. Non. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Oui, chut. Oui, je suis d'accord, c'est ça? Chut. D'accord. Alors, dans la Bible, Jésus-Christ a deux natures bien précises. La nature humaine et la nature divine. Voilà pourquoi il peut et il est le seul capable de donner la vie éternelle. Quand Jésus dit qu'il donne la vie éternelle, il est en train de dire qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu ou bien les chrétiens disent que Jésus. Jésus dit qu'il est Dieu puisqu'il dit qu'il ne fait que ce que Dieu. Dans la Bible. J'arrive d'abord. Bon, ça c'est un autre sujet, d'accord? Rappelle-toi qu'on est en train de voir. C'est là où je voulais qu'on chute. D'accord, avant qu'on ne chute cela, on n'a même pas encore fini de descendre les escaliers avant de chuter, mon frère.
Donc, je viens de vouloir dire que Sourate 19, non, Sourate 19, à partir du verset 70 à 62, tu m'as fait refaire lire tout un verset. On dit que, ça dit que mon frère, est-ce que tu es d'accord que cette sourate d'abord dit que tout le monde ira en enfer? On a tous lu ensemble. Tu es d'accord? On a tous lu ensemble. Et donc tu es d'accord? Allons-y. Non, non, non. La conversation, c'est pas ça. Non, c'est oui ou non. Est-ce que tu es d'accord pour le courant? Attends, c'est oui ou non? C'est le dogme ou... Non, c'est pas le dogme. Voilà. Un dogme, d'abord, un dogme peut être bon et un dogme peut être mauvais. Si d'accord? C'est, si c'est pas... Si c'est un dogme, c'est que c'est un bon dogme, parce que c'est écrit. Si c'est pas le dogme, j'ai le choix de dire oui ou non. Non, ça veut dire pour avancer la conversation, de peur que, regarde, de peur que je ne fais qu'avancer seul, d'accord? Non. Pour que, pour problème de cohérence, pour ne pas que tu me fasses, mon frère, je n'ai même pas l'eau ici, pour ne pas finir ma salive. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive sur une bonne base. Est-ce que tu es d'accord que la sourate 19 de ton Coran dit que tout le monde, y compris les musulmans, iront en enfer pour un nombre de jours que Allah ne dit pas, pour un nombre d'années qui ne dit pas. Ensuite, j'ai fini, ensuite en enfer, il va enlever les plus pieux, il va laisser les injustes à genoux. Sourate 19, verset 70 à 30. Tu es d'accord, oui ou non, on avance. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Voilà. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est qui est-ce? C'est que tu m'embrouilles pas avec. Non, je ne veux pas t'embrouiller. C'est écrit. Recommence. Tu n'es pas d'accord sur quelque chose que tu n'as pas compris? Tu es là en train de m'embrouiller. Recommence. Sourate 19, verset 70 à 72 que tu viens de lire et que tu viens de me faire relire tout le chapitre parce que tu veux savoir qui parle dans ton Coran, parce que selon toi, ce n'est pas Allah. Ma question, c'est celle-ci. Dans le Coran. C'est pas qui parle dans mon Coran, je n'ai pas inventé le Coran. Il n'y a pas de problème parce que c'est le Coran qui est dans ton téléphone. Alors. Qui est ok. Dans le frère, mon type. Mon frère, laisse. C'est pas le sujet. Ma question c'est celle-ci. Donc. Apparemment, tu comprends bien. Tu es en train de chercher à trouver les failles pour mettre. C'est mettre un doute. Non, si ça, si ça sème un doute, je dis merci à Dieu pour que ça te conduise à Jésus-Christ. Non, moi ça ne me sème pas. Ça sème pas. Si ça sème un doute dans ton cœur, je dis merci à Dieu. Mais si ça te pousse plutôt à aller rechercher, je dis toujours merci à Dieu. Parce que celui qui a le chemin et la vérité, c'est Jésus. Tu vas le rencontrer en chemin. Alors, allez chercher. Je suis d'accord. Et ça, voilà pourquoi cette conversation, je l'aime. D'accord? Parce que de toutes les manières, si ça ne te convainc pas, ça peut te pousser quand même à aller chercher. Pour voir ce que je dis est vrai. D'accord? C'est ça l'objectif. Non, si c'est faux ou bien c'est vrai. Si c'est vrai ou faux. En tout cas, si c'est pas vrai, c'est que c'est faux. Ouais. Mon frère, c'est le français. Il peut arriver que c'est pas faux et c'est pas vrai. Bon, mon frère, laisse. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que tu es d'accord que cette sourate dit que tout le monde, quand même, ira en enfer?